Salut à tous, c'est Rivodrix et bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDC. Aujourd'hui, je vais vous dire comment obtenir l'extracteur de brouillard, un outil de chasseur très important. À ne surtout pas négliger cet outil, car vous en aurez besoin pour aller faire les donjons de calice supérieurs. Donc à partir du calice 10 et de certaines offrandes, je pense. Pour trouver cet outil, eh bien c'est simple, il suffira de vous rendre dans le donjon de calice, labyrinthe plémurien inférieur. Donc c'est un rite peu compliqué, il demande peu de composants, donc vous pourrez le faire à tout moment, donc même en début de jeu. Et donc cet outil sera dans un des grands coffres des salles de trésors de ces donjons. Donc je ne vous montre pas où je l'ai trouvé moi, car tout simplement c'est aléatoire. À chaque fois l'objet change de place, à chaque fois que vous faites un rite. Donc maintenant je vais procéder à l'explication de cet outil tout simplement. Donc l'utilité de cet outil, eh bien il est simple. C'est tout simplement de transformer la majorité de vos composants de donjons de calice en brouillard ésotérique. Donc c'est un autre composant, donc vous transformez un composant en autre composant plus intéressant pour pour effectuer les rites supérieurs de donjon de calice, comme pour le donjon de calice 10 qui a besoin de 25 brouillards ésotériques. Donc c'est pour ça que cet outil est indispensable. Donc si vous ne l'avez pas trouvé, eh bien rendez-vous au calice plémurien inférieur. Donc voilà, donc c'est tout pour ce nouvel épisode de LCDC, il était assez court, mais bon, il fallait le savoir, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo ou à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Posez vos questions dans les commentaires, j'y répondrai, et même en vidéo si ça vaut le coup. Allez, moi je vous laisse, portez-vous bien, ciao !